Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Dépose, passe, alimente. Dépose ça là. Monte. Pas dormir, allez. Et bien, si tu n'as pas la loi. Ok, salut à tout le monde aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas chez moi. Moi, je ne tire pas les endroits. Il faut tirer un clic, il faut porter des trucs pour faire direct. Je suis un artiste chanteur. Bonsoir à tous ceux qui me suivent. Je suis un artiste chanteur. On a vu tous ce qui s'est passé sur la 3. Fior de Bio et puis à Boumi. Moi, je suis un artiste chanteur. Le rouage de la musique, là, je connais. Et je connais ce que Fior de Bio voulait faire, l'enfant. Je vais vous expliquer terre à terre. Je ne suis pas là pour buzz ni clash. J'ai tagué les deux. Je ne suis pas là pour buzz ni clash. Je suis là pour dire la vérité à Fior de Bio. Parce qu'il y a des gens, quand il vient s'asseoir, il regarde seulement que l'habillement pour juger. Fio, tu n'es pas ça. Fio, il est ceci. Fio filme ça. Combien de personnes qui ont traité Eskeli de fou? Pourtant, Eskeli a construit une maison. Mais il y a des artistes ivoiriens qui n'ont pas pu construire une maison. Ils ont commencé avant Eskeli. Ils n'ont pas encore construit une maison. Combien de personnes qui ont traité Eskeli de drogué? Aujourd'hui, Eskeli dort dans sa propre maison. Qu'on prend une gamme et puis on vient sur Facebook pour se faire connaître et puis pour avoir un peu de visibilité pour notre musique. En même temps, 13 personnes de drogués. Écoutez-moi très bien ce qu'il va vous dire. Moi, je suis Fior de Bio, je suis Abomé. Je suis les deux. Moi, j'ai connu Abomé comment? J'ai connu Abomé à cause de Fior de Bio. C'est quand Fior de Bio a dit le nom d'Abomé là, c'est ça que je suis parti chercher le nom là. Sinon, je ne connais pas Abomé. Je ne connais pas Abomé, mais je vais vous prendre les trucs terre à terre, indirect, non préparé. On y va. Fior de Bio fait indirect où il traite. Abomé fait un direct où il traite Fior de Bio dans l'alphabet. Il traite Fior de Bio dans l'alphabet. Pourtant, Abomé même là, son boss est parti vers Fior de Bio pour faire un clash. Écoutez-moi très bien, c'est pas le boss de Fior de Bio qui est parti vers Abomé. C'est pas son boss, c'est pas le boss de Fior de Bio qui est parti vers Abomé. C'est Abomé même son boss là. C'est lui qui est parti vers Fior de Bio. C'est-à-dire, Fior de Bio, il est assis, on ne sait pas où il est assis dans son coin. Le petit n'a rien, il dit toujours sa maman vend au marché. Il est orphelin, il est ceci. Il est assis dans son coin. C'est le boss d'Abomé là. C'est-à-dire, Abomé qui se croit trop talentueux là. C'est son boss qui s'en va voir Fior de Bio. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui est arrivé à Fior de Bio, ça devrait arriver à Fior de Bio, ça m'est arrivé. Moi là, à un temps, on ne pouvait pas m'attraper sur Facebook. Ma cote de popularité, on ne pouvait pas. Il y a des gens qui quittaient à Makori pour venir me voir, pour visibilité. Il y a des gens qui sont en bain, ils m'appellent pour visibilité. Moi, aujourd'hui, là, je suis le plus insulté. Aujourd'hui, là, je suis le plus insulté. Mais lorsqu'on venait demander, lorsque le boss de Fior de Bio venait demander, là, pourquoi il n'a pas fait une vidéo pour dire que je viens vers Fior de Bio? Le boss d'Abomé, là, quand il partait vers Fior de Bio, pourquoi il n'a pas fait la vidéo? Il est parti supplier. Même si tu as le payer là, tu es parti le supplier. Moi aujourd'hui, la bombe, ça reste sur ses deux pieds. Et puis, il traite Fior de Bio d'analphabète. Écoutez-moi très bien. Il traite Fior de Bio d'analphabète. Moi-même, tu me traites d'analphabète là. Je ne peux pas m'asseoir sur le même plateau que toi. Fior de Bio, ce n'est pas quelqu'un qui est bête. Il n'est pas bête. S'il est bête, là, il ne peut pas avoir un magasin de chaussures. S'il est bête, là, il ne peut pas investir. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il va vous montrer qu'à Bomé là, il ne sait pas chanter. Il y a quelqu'un. Fait le poste là, il y a quelqu'un qui a écrit là-bas, toi Céline, tu chantes quoi? Je lui ai envoyé trois de mes morceaux. Il a dit, faut écouter, tu vas voir qui chante. C'est parce que les Fior de Bio là, ils ont eu des personnes pour les produits. Et il dit, les Fior, l'Abomé là, ils ont eu des personnes pour les produits. Sinon, ils n'ont pas, Abomé n'a pas talent. Abomé qui est là, là, il n'a pas talent. Un artiste là, il fait pas freestyle, il fait pas clash. Il fait pas freestyle pour insulter quelqu'un. Un vrai artiste là, il s'assoit. Fior de Bio a dit ça. C'est pas où tu le suis? Il dit qu'il n'est pas là pour freestyle, pour faire. Non, il ne se voit pas dedans. Il a dit ça à longtemps, hein? Et puis aujourd'hui, il a dit ça sur le plateau. Lui, il prend tout son temps, il est dans sa gamme, il cherche son âme dedans, il n'a pas de problème avec quelqu'un.
On appelle Fior de Bio pour l'émission. Il dit, est-ce que Abomé ne vient pas, hein? On lui a pas dit. Il arrive là-bas, on fait venir Abomé. Abomé s'assoit. Écoutez bien les dits d'Abomé. Abomé dit, même ton mentor Ariel Chéné n'a pas été nominé quand il a accepté à pété. C'est une manière. Écoutez, quand il dit son mentor Ariel Chéné là, nous on ne connaît pas le mentor de Fior de Bio. On ne connaît pas le mentor de Fior de Bio. Il nous fait croire maintenant que le mentor de Fior de Bio, c'est Ariel Chéné. Ariel Chéné est qui dans la Yoro Gang? Il est Judas, d'après les gens. Ariel Chéné est Judas. Et c'est comme ça, Abomé veut nous faire pour que nous on déteste Fior de Bio. Abomé, je vais te dire quelque chose. Musicalement parlant, là, si toi et moi, on s'arrête sur le podium, hein? Tes freestyles à deux balles que tu fais pour sauter là, faut laisser. Ton test même que tu as composé, puis tu chantes pour avoir l'argent, là. Viens ton test là. Et puis viens mon test là. S'ils vont t'écouter, ils vont jamais t'écouter parce que tu ne sais pas chanter. Quand tu as chanté, tu dis non que. Il dit encore que Fior de Bion ne lance pas de message. Mais dis-moi, Abomé, tu lances quel message? Je préfère la musique de Fior de Bion que la musique d'Abomé qui parle de Voldy. Ayopougon, c'est 66, c'est POC. Quel message que toi, Fior de Bio, tu lances? On t'a donné un prix. Le prix qu'on t'a donné là, c'est pas pitié. C'est pas connaissance, c'est pas relation. Sinon, tu ne chantes pas bien. Wallahi. Le prix qu'on t'a donné là, MC One pouvait prendre ce prix là. C'est pas connaissance, on t'a donné ce prix. Tu ne chantes pas bien. Toi et moi, ça reste sur le podium. Fior de Bio là, hé, hey, laisse. Je vais t'expliquer les trucs. On t'a donné le prix. Tu chantes, tu insultes qui? Fior de Bio. Il ne te calcule pas, il ne te regarde pas. On vous met en confrontation sur un plateau. Tu te juges à l'essai. C'est-à-dire, tu vas dire que non, Fior de Bio, son mentor, ça n'a rien chiné. Donc, toi, tu es dans la arrogance. Donc, les Chinois, là, ils n'ont qu'à détester. Quand tu étais avec Arafat, là, qui te connaissait? Lui, il a eu un seul artiste, Niska. Il a eu un seul artiste, Niska. C'est-à-dire, Fior de Bio, ça a appuyé sur Niska. Niska l'a poussé légèrement. Voilà Fior de Bio. Toi, tu étais dans la arrogance. Autant d'Arafat, toi là, qui te connaissais, tu as eu quelques succès. Hein? Abomé, tu étais. Au fait, c'est quelqu'un qui aime la facilité. Abomé là, c'est quelqu'un, tu aimes la facilité. Tu étais dans la arrogance, tu as eu quel succès. Moi là, je ne peux pas être dans la arrogance et puis m'asseoir comme ça. Je ne peux jamais être dans la arrogance et puis m'asseoir comme cela. C'est-à-dire aujourd'hui là, tu as oublié de dire que tu es dans la arrogance. Qui a fait quoi toi? Si tu es dans l'arrogance, tu ne vaux rien, on ne te dit rien. Parce que les gens ne savent pas que tu n'es pas fort. Quand Bobé veut faire un freestyle pour insulter les gens, là, il s'assoit, il compose un test. Le freestyle ne se compose jamais. Il compose un petit test d'une manière où, quand il chante là, il y a son maître de cœur, les choristes là, ils sont derrière lui. Et puis il répond, quand il chante, les choristes sont derrière lui. Près de 5 à 6 jeunes que tu les regardes, il y a des gens qui ont 22 ans, qui ont 23 ans, qui ont 25 ans, qui sont derrière lui. Quand il chante là, oui, 566, c'est Voldy. C'est ça, tu penses que c'est musique? Hein? C'est ça, tu penses que c'est musique? Hein? Abomé, tu traites Fior de Bio d'analphabète. Mais ton boss qui dit que toi, Abomé, tu es intelligent. Ton boss dit, toi, Abomé, tu es quelqu'un qui est mature. Ton boss dit, toi, Abomé, tu es quelqu'un ici, et finalement, toi, tu as gagné 1 million. Et puis, ton boss s'est tissé relation avec un fou pour te faire connaître. Il s'est tissé relation avec quelqu'un qui est analphabète pour te faire connaître. C'est toi, là, ton boss t'a calculé comment? Ton boss t'a vu à comment? Hein? On sert nourriture. On dit, bon, on va servir nourriture des gens qui vont manger. Quand on voit un fou qui passe, on dit, Abomé, viens, on t'a servi le fou là. Viens, tu as mangé le fou là. On t'a vu en comment? Tu veux te jouer les sages sur le plateau. On t'a vu en comment? Hein? Le petit, son succès est en train de prendre. Sa musique est en train de prendre. Tu dis donc qu'il lance pas un message. Les autres là, qu'on lui a pas donné tout fait. Tu as combien de vues? Tu as quelle visibilité, Abomé? Traîner sur Facebook là. Avec tout le succès, tous les contours que tu as, traîner sur Facebook, Abomé, regarde-moi très bien, traîner sur Facebook, avec tout le succès, les contours, les relations que tu as là, tu traînes sur Facebook, tu vois ce que tu sais chanter. Tu as eu à même à saluer Arafat. C'est-à-dire, le jour Arafat est venu
sur mon direct comme ça. J'ai crié, oui, j'étais content. Mais toi, là, tu étais dans la Yorogan. Tu étais avec Arafat. Tu as eu quel succès? Tu étais avec Arafat. Tu as eu quel succès? C'est pas je t'ai dit tu es dans la Yorogan. Que Fior de Bio, son mentor, ça rien chez lui. Donc nous, là, on doit détester, comme on appelle, Fior de Bio. Pour quelle raison? Tu ne sais pas chanter. Écoute-moi très bien. Fior de Bio ne lance pas message, non? Ton mentor, là, c'est qui? C'est Didier Arafat, non? Arafat, là, il n'a pas composé de texte. Son Kwakaka, là, ça lui a donné trophée. Il y a eu plusieurs de sons. Tous les morceaux qu'Arafat fait, là, ça l'a fait, ça l'a soulevé. Arafat a soulevé le monde entier. Sans composer, sans lancer un message. Il a soulevé. La CIE m'a appelé. Il a soulevé. Il a mis le coupé décalé à certaines boules. On te demande, tu dis, tu fais hip-hop. C'est hip-hop que tu fais. Tu fais coupé décalé. Il faut assumer. Tu fais trap décalé, tu ne fais pas hip-hop. Tu connais ce qu'on appelle hip-hop? Tu connais ce qu'on appelle hip-hop? Ta musique, tu fais cette danse de ringringue fracassé, ringringue fracassé. C'est quoi? Ta musique nourrit qui? Ça nourrit qui? Ça nourrit qui? Arrêtez de vous foutre des artistes qui veulent s'élever. Tu avais tout dans ta main. Tu avais tout, Arafat. Quand on dit Arafat, t'es là. Si on dit Sénic Ramba, tu es le petit d'Arafat. Et puis Arafat dit, voilà, je vous prie mon petit Sénic Ramba. En même temps, tu deviens célèbre. Tu étais avec Arafat jusqu'à tu as tout le contour. Vous n'avez pas su profiter. Vous n'avez même pas su profiter de quelque chose. De votre artiste. De nous-mêmes, notre artiste. Le plus influent du monde entier. Vous n'avez pas pu profiter. Un des trois sujets dans la Yorogang. La Yorogang, mais il n'y a plus quoi? La Yorogang est même et puis quoi? C'est quelqu'un qui aime la facilité qui colle l'étiquette d'Arafat sur lui. Souvent quand on sort, il y a les cérémonies, il y a les podiums, MTN, Orange, Move, ou bien peut-être ils sont en train de faire quelque chose sur un grand terrain. Les gens m'invitent quand j'arrive là-bas. Tout le monde monte, chaque artiste monte. Est-ce que la Chine vous êtes là? Est-ce que la Chine vous êtes là? C'est honteux de ma part. Arafat a créé son chemin. Il a créé sa corde de popularité, il a créé sa population, il a créé sa vie, il a créé son pays. Donc moi, il vient, je dois me baser, c'est-à-dire le morceau vaut rien. Mais comme la personne sait qu'ils ne vont pas crier là, est-ce que la Chine vous êtes là? Et puis la foule répond, wow, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Fior de Bio dit, il n'est pas, il ne veut pas, tu sais, quand j'ai regardé l'émission où Fior de Bio a dit tu mens là. Tu sais, tu n'as pas respecté ton mentor. Tu n'as pas respecté Didier Arafat. Au fait, Fior de Bio veut te dire, il faut te taire. Ne parle pas d'Arafat. Tais-toi. Faut pas parler d'Arafat. Tais-toi. Tais-toi. Ceux qui sont sur le plateau là, c'est une seule personne qui a pu dire 10 titres. Et deux titres de tes chansons venant de toi. Il n'y a personne qui le connaît. On ne te connaît pas. On ne connaît pas tes morceaux. On ne connaît même pas tes morceaux. Quand tu gagnes un producteur, tu gagnes un truc, un manager, tout ton contour est bon là. Il faut être bon. Est-ce que tu comprends? Tu n'es même pas fort. Musicalement parlant, tu n'es même pas fort que truc. Fier de Bio. Tu dis, ne lance pas de message, non. Ton morceau, tu as dit... c'est Voldi. Yopougo, c'est 66. Ton morceau là, dis-moi quel message que tu lances dedans. Dis-moi de toi, moi, quel est le message que tu lances dedans? Nyomi, elle est qui est bon là. Moi-même là, quand j'écoutais là, on dansait, mais il ne prêtait pas attention. C'est quand Eloge, First Magazine a mis Nyomi avec l'air. C'est l'âge, ça m'a interpellé. Ça nourrit. Ça nourrit. Donc souvent, va t'asseoir sur un plateau. Ne cherchez pas à dénigrer les enfants. Tu es vieux que lui, tu es âgé que lui. Compare-toi aux autres. Kiff nos beats là, ils ont vu Arafat. On dit, il y aura un pont. On dit, viens voir, viens ici, on fait un feat. Est-ce qu'ils ne sont pas bêtes? Viens, on fait un feat. Arafat les a appuyés dans le feat là. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont devenus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont? Voilà, truc, Didi Bé qui est là. Ça les a soulevés. Ça laisse Arafat les amis d'un certain niveau qu'on ne peut imaginer. Baba Missara a fait feat avec DJ Arafat. Ça l'a mis un certain niveau qu'on ne peut imaginer. Claire Bailly, même chose. José, même chose. José, même.
Elle a frappé la porte d'Arafat pour avoir fuite. Mais toi, tu dors dans la Yorogang. Quand demain, je suis dans la Yorogang. C'est la facilité, au fait. Oui, moi, je dis ça. C'est ceux qui aiment la facilité, là. Je suis dans la Yorogang, je suis dans la Yorogang. C'est-à-dire, vous n'avez même pas pu profiter même dans la Yorogang. Moi, là, j'ai honte. Moi, là, j'ai honte à votre place. J'ai très honte. Souvent, quand il m'assoit, si je pleure. Je viens de dire quelque chose, hein. Général Fa. Général Fa, Général Fa. Même Général Fa que tu connais, là, vous connaissez, là. Général Fa dit, Selimo est un produit. Écoute-moi très bien. Général Fa dit, lui qui fait la communication de VDA, Selimo est un produit. Demande à Général Fa, si il dort au studio, il ne dort pas. Si il dort dans son bureau, il ne dort pas là-bas. Je suis quelqu'un là, j'ai ma gamme. C'est-à-dire, je dis, moi là, je peux. Cette même gamme qui est fier de Bio, ah, le courage qu'il a là, je m'assois et puis je le regarde. Comment le petit fait qu'il arrive là? Même mettez, je suis pas sûr que lui a l'âge que moi. Comment fier de Bio peut faire qu'il peut arriver là où il est là? Même s'il a commencé avant moi. Mais toi, tu as t'asseoir, même avec le truc, oh, Ramba Junior, c'est toi, tu as t'asseoir, comment on appelle, Padre Escobar ne sait pas où il met son jeton, mes champions. Le jeton de Padre Escobar ne peut pas fermer toi, ton bonheur, ta visibilité. Je t'explique un truc. À Bobo ici, là, il y a un groupe de rap à Bobo ici. Moi, je venais d'arriver de Libye, là, j'ai fait sortir un morceau, Libya Mouchkila. Libya Mouchkila, ça touchait les gens dans les maquis. Les gens me donnaient les 2000, les 3000, les 4000. Qu'ils pressaient quand. Il avait fait le morceau même à 80 000 dans un studio précaire. J'ai fait sortir à Bobo Kokacha. Ça a donné. Il y a eu beaucoup de jetons même dans Bobo ici. Après, j'ai fait sortir, il fait des consciences. Le coiffeur d'Arafat, le coiffeur de ton mentor, Nash Baber. Le coiffeur de ton mentor, écoute-moi très bien. C'est-à-dire, à Bobo, là, ils ont leur groupe de hip-hop. Le groupe qui fait rap à Bobo, moi là, ils m'ont enlevé dedans. Parce que j'ai dit à lui qu'il est devant un certain Abi Marwan. C'est pas Abi Marwan de Yorogang. Hein. Un certain Abi Marwan qui a tiré photo même avec Arafat. Un certain Abi Marwan qui est en train de faire tourner le groupe. Je lui ai dit que toi, tu ne pourras pas avancer parce que dans ton cerveau là, c'est manger qui t'intéresse. Nous, on veut financer pour évoluer. Voilà ce qu'il lui a dit, il m'a enlevé dans le groupe. Il a dit quelque chose. Le jour Nash Baber a organisé rap. À derrière, il a été montré la vidéo même. J'ai été montré la vidéo. Je crois bien que j'ai mis ça. Ils ont mis ça sur YouTube. J'ai été montré la vidéo. Voilà. Le jour Nash Baber a organisé rap à derrière. C'est-à-dire, il a organisé rap là. Il a appelé Abi Marwan. Abi Marwan a pris son équipe. Maintenant, Nash Baber venait faire promo dans un maquis. Et il y avait un groupe d'artistes qui venait ici, dans maquis là. Donc ce jour-là, les gens m'ont appelé. Non, mon fils, on t'a dit, viens chanter dans maquis là. Parce que moi, il n'aime pas sortir. Parce que la musique là, ce n'est pas ma nourriture. Voilà comment Nash Baber arrive dans le maquis pour faire promo. Donc il y a les artistes qui vont chanter. Nash Baber dit, oh, ok, elle m'assoit pour voir si à Bobo il y a talent. Je dis, il a assis avec Abi Marwan. C'est-à-dire, Abi Marwan se voyait dangereux parce qu'il a assis à côté de coiffeur d'Arafat Nash Baber. Je dis, tous les artistes sont passés. Ils ont fait passer tous les artistes. Ça restait moi. J'ai payé 2000 francs pour prester dans Makila. Je dis, quand ils ont mis mon morceau, le début du son, là, ça fait boum boum. Nash Baber dit, il a coupé, il dit couper le son, qui a masterisé le son, il dit j'ai fait ça dans tel côté. Quand il finit de jouer le son là, Nash Baber m'a donné transport. Il a coûté 20 000 francs pour mettre dans ma main. C'est-à-dire, moi, il doit me voir sur scène le jour de son concours de rap là, il doit être là. Écoute-moi très bien. Vous avez eu tous les contours là, vous n'avez pas réussi. Maintenant, vous venez maintenant dans Clash, dans Buzz. C'est Fior de Bio. Moi-même, si j'étais à la place de Fior de Bio, je te voyais rentrer même sur le plateau là. Je me levais doucement, je partais à la maison. Je n'allais même pas te donner point. Parce que vous n'êtes pas au même pied d'égalité. C'est quelqu'un qui t'a donné. C'est comme Toutigui. Au fait, c'est comme Toutigui. On t'a donné beurre. Tu as pris beurre là, tu as jeté ton propre beurre de carité pour mettre en paix pour manger. Est-ce que tu comprends un peu? Tu dors avec la musique africaine, tu dors avec le mentor de tout le monde entier, tu dors avec quelqu'un qui a su à créer sa corde de popularité et tu n'as pas pu faire un petit feat. Je suis dans la Yorogang.
C'est un nom sur vous, c'est un nom. C'est un nom. Il y a plein d'artistes dans la Yoruba. Je n'ai pas peur de les affronter. Il y a plein d'artistes dans la Yoruba, je n'ai pas peur. Moi, je vois les managers d'Arafat, je les vois, t'en avais mis quoi. C'est parce que nous autres, on n'a pas encore utilisé à cause de ça. Sinon, tu avais mis quoi. Tu avais mis parler de quoi. Dans la musique, tu avais mis quoi. Quand je suis arrivé à derrière là, c'est-à-dire Abi Mawrad a calé un morceau de tout le monde. Il a laissé moi mon morceau. Je donne la clé, il dit mon morceau ne joue pas. Il dit ça passe pas. Non, le gars dit c'est faux. Maintenant, le coiffeur d'Arafat demande, le morceau se trouve dans ton truc. Il dit oui, ça te trouve dans mon truc. Il dit, je lui ai dit, viens ben, morceau là passe. Au fait, lui qui est assis à côté de toi là, c'est mon sorcier. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Tu es mon sorcier, t'as dit que tu es mon sorcier. Il n'a pas pu fermer la porte parce que j'ai un talent. J'ai moi-même mon talent, moi. J'ai mon talent. J'ai un talent dans la musique. Musicalement parlant, j'ai un talent. Donc, si tu dois t'afficher pour dire que non, tu es fort. Tu es ceci. Tu es le plus taillé. Tu as te lancé des fleurs. Champion, un artiste qui est fort ne tombe pas dans freestyle sur Facebook. Tu n'as pas d'inspiration. Quelle est la musique que toi, tu as composée? Quel est toi ton morceau que tu as composé puis ça a pris fille? Quel est ton morceau? Ne sois pas jaloux de l'enfant qui fait 1 million de vues en moins de 2 jours. Et toi, tu n'as même pas encore fait 500 000 vues. Et son Konoku aussi, allez, là, ça rentre dans 2 millions de vues. Piqué, piqué là, ça sort 2 millions de vues. Tu as quel problème avec lui? Si on t'a donné le trophée, prends le trophée. Si on t'a donné le trophée là, prends le trophée, tu as parti avec. Trophée, là, on vend ça au marché. On vend ça partout. On t'a nominé petit trophée, même là, ça flotte dans ta main. Prends ça, vous avez combien? Vous t'es un groupe de choristes derrière toi. Quand tu chantes, et il répond. Donc, il pense que tu es fort. C'est comme le pasteur qui se promène sur le terrain dans Bigan. Votre pasteur qui se promène sur le terrain là. Quand il parle, quand il parle, 1, 2, 3, les gens répondent. C'est ça. Amen. Excusez-moi. Quand il parle un peu net, les gens répondent. Amen. C'est ça. Oui. Donc, quand les gens sont affrontés sur ce pasteur-là, ceux qui sont derrière lui-là, ils perturbent le gars qui est en face de lui. Sinon, c'est pas lui qui les fouille. Voilà. Ça veut même pas dire qu'il est fort. Ça veut même pas dire que tu es fort. Voilà. Tu as eu producteur. Tu as eu arrangeur. Tu as eu mentor, tu as eu quelqu'un qui est fort, tu as eu quelqu'un qui est puissant, mais tu n'as pas eu quelqu'un pour profiter. Au fait, tu n'as pas eu quelqu'un. Au fait, tu n'as pas su profiter de ta vie. Tu n'as pas su profiter dans la musique. Là où ce qui s'est passé sur le plateau là, ça a été fermé. Parce que tu ne pourras pas composer. Mais le petit là, il est en train de préparer single là-bas. C'est-à-dire son nouveau single en train de venir. Il est en train de préparer single là-bas. Est-ce que tu comprends? Donc, je vais conclure un peu pour te dire que ton boss, il s'est foutu de toi. Ouais. Ton boss s'est foutu de toi. Parce que l'homme que tu dis qu'il est bête, l'homme qui est analphabète, l'homme qui n'est pas intelligent, c'est cet homme-là que ton boss dit, il faut te coller à lui-là, tu vas avoir visibilité. Est-ce que tu comprends un peu? L'homme qui dit que toi-même tu dis, il n'est pas intelligent, fier de bio est bête. Il est analphabète. Fier de Bion n'est pas intelligent. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Fier de Bion, c'est quelqu'un qui est n'importe quoi. Fier de Bion, on colle étiquette négative sur Fier de Bion. Et c'est lui ton boss. Il se déplace, il prend sa voiture, tout quand il s'est tombé sur Fier de Bion. Oh, il y a MC One. Il y a MC One. Il y a Didi B. Il y a plusieurs rappeurs que ton boss les a sautés jusqu'à. Ton boss est parti choisir. L'homme que tu dis qu'il est analphabète là, pour venir t'aider, toi, fier, à bomber pour avoir visibilité. Si ce n'était pas fier de bien, moi, il ne te connaissait pas. À bomber l'éléphant. Tu es connecté, tu me regardes. Donc, à un moment donné là, tu fais ta petite musique, il faut te concentrer sur ta musique. Tu es connecté, tu es venu connecter. Il est venu s'afficher et puis il est parti. Il est là. À bomber l'éléphant est là. Est-ce que tu comprends? Tu ne comprends plus. Donc, si tu insulte quelqu'un analphabète, il va te manquer de respect. Au fait,
tu vas perdre. Tu vas perdre ce que les gens te considèrent dedans. Parce que moi, je te considérais. Je te respectais. C'est-à-dire qu'il te regarde même là, il dit, ouais, voilà quelqu'un qui a traité ses pattes encore pour venir. Voilà quelqu'un qui a traité ses pattes. Tu as parti insulter quelqu'un. Tu as le traité d'analphabète. Et puis ton boss se déplace pour aller le voir. Mais si ton boss le paye. Mais on ne peut pas payer un fou pour se comparer à toi. On ne peut pas payer un fou. Vous pensez qu'Abome n'est pas venu sur le direct. Il a fait capturer et puis il a vous montré. Abome est sur mon direct. Il a vous dit ça. Ça ne veut rien dire. Arafat, même son Arafat là, il est venu sur mon direct. Est-ce que vous comprenez? L'homme qu'on le prend, qu'il est fou là, c'est lui qu'on prend. On dit va te couler à lui pour avoir une visibilité. Il faut à un moment donné l'arrêter. À un moment donné là, faut pas on va se lancer des fleurs, faut pas on va se lancer les trucs. Musicalement parlant là, je préfère mon fier de bio et je te laisse. Parce que lui au moins, là, il va faire danser les gens. Mais toi au moins, là, tu vas venir, c'est pour un jus, faire freestyle pour insulter. Non, ça là, c'est pas un truc. Ça là, c'est pas un bon mouvement. De la manière que tu es venu, Pierre, et puis tu es parti là. Faut réécouter le direct. Tu réécoutes le direct, et puis tu vas comprendre. Ce que toi, tu as dit au petit, et puis ça n'a pas pris au petit là. Tu vas comprendre. À un moment donné là, ne divisez pas les artistes. Restez là. Faites coller les artistes un peu. Faites coller les artistes un peu, ils vont gagner visibilité. Poussez-les, fier de bio. Moi, je te dis merci beaucoup d'avoir élevé sur le plateau. Tu t'es élevé sur le plateau, tu es parti à la maison. C'est un bon geste. Parce que tu as montré que tu es quelqu'un, tu es bête là. Tu ne dois pas causer quelqu'un qui est intelligent. Non, moi-même quand on me dit je suis bête là, je ne parle pas. Une fois, deux fois, trois fois, je te bloque. C'est comme ça, je suis. Quelqu'un qui est bête là, il ne peut jamais. Même il y a un des fans de fier de bio, il a dit son nom. Il va dire son nom. L'un de ses fans, il est où même? J'ai fait le poste où j'ai mis Abome et puis fier de bio. L'un de ses fans qui est venu m'insulter. Rentrez en bas et rentrez dans le commentaire. Là. Allez-y lui demander. Il a dit son nom ici. Vous allez voir. Voilà. Comme je ne suis plus suivi. Il dit, il s'appelle Namblé Ousmane Yeo. Il dit, toi, tu n'es pas chanteur. Ta bouche. Il dit, moi, je ne suis pas chanteur. Ta bouche est dans fait de chanteur. Quand il a dit ça là, je lui ai dit, je l'ai envoyé mon WhatsApp. Il dit, voilà mon WhatsApp. Écris-moi, il t'envoie mes chansons. Il dit, ok, j'aime ça. Quand je l'ai envoyé là, je l'ai envoyé une note vocale. Il faut finir d'écouter. Viens me comparer à ton mentor, ton artiste fier de bio. On voit entre nous de la qui est fort. Quand il a fini d'écouter là, il est venu m'écrire. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il fait partie de tes abonnés. Il sait. Donc, quand vous gagnez un peu, c'est-à-dire, moi, je suis assis ici. Dans celle qui est là-bas, il est assis ici. Ici, c'est pas chez moi. Hein. Faut pas demain, fier de bio. Tu as pas été arrêté là-bas. Tu as dit, non, que je dors dans la maison où il n'y a pas peinture. Moi, je suis fier de ça. Je n'ai jamais montré à quelqu'un que je suis milliardaire. Ici, c'est pas chez moi. Je suis ici. Et puis, un matin, il voit, MC One se lève, ou bien, Kedevara se lève et puis dit, Seigneur, je vais te produire. Hein? Mais tout ce qui est dans mon ventre, il a fait sortir. Vite! Il a fait sortir vite. Il n'y a pas maçon, non, je suis dans 18 avril pro. Je vois mes amis au quartier, je suis dans 18 avril pro. Et puis demain, on dit non, Kedevara, il touche du bois, Kedevara n'est plus. C'est moi, il m'assoit maintenant, il me prend sur le plateau. Non, c'est moi, Seigneur Kramba. Je suis artiste confirmé de 18 avril pro. C'est pas ça, on profite. Voilà. On profite. Quand c'est bon, on profite, on s'accroche. Succès que. Au fait, tout le droit que Dieu t'a donné là. Si Dieu me donnait un centime, ils allaient voir Céline comment progresser. Moi, qui ai chanté là, c'est pour aller prendre bouteille, taper l'idée, puis les gens sont derrière, on répond comme chorale là. C'est ça qui est chanté. Fier de bien, respect à toi. Tu as la force. Voilà. Tu as la force et mousse pour partir. Parce que Niska là, il n'est pas célèbre qu'Arafat. Niska qui est là, il n'est pas célèbre qu'Arafat. Niska là, il n'est pas connu qu'Arafat. Mais lui, il a eu Arafat. Toi, Niska est venu te pousser un peu sur le maudit là. Tu es numéro 1. Ils n'ont qu'à reconnaître que tu es le numéro 1. Vous êtes là, c'est clash seulement que vous faites. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.